Malgré un développement chaotique et un changement de plateforme, The Last Guardian est enfin une réalité. Le nouveau bébé du papa de Ico et Shadow of the Colossus compte bien nous embarquer dans son univers mystérieux et poétique. On y contrôle un jeune enfant qui se réveille dans un lieu vide de toute vie, à l'exception d'une incroyable créature appelée Trico. Pendant toute l'œuvre, on essaie d'apprivoiser l'animal sauvage et d'utiliser sa taille et sa puissance pour avancer au milieu d'anciens temples et ruines gigantesques. On retrouve immédiatement la maniabilité iconique des titres de Fumito Ueda, avec un perso trébuchant et titubant sans cesse au milieu des gravats, un soupçon de réalisme efficace. Rapidement, on comprend comment attirer l'attention de la bête via de la nourriture par exemple. Trico peut se déplacer, sauter, s'asseoir et donner des coups de patte sur commande, du moins en théorie. Et si je dis en théorie, ce n'est pas par hasard. Bien que l'idée d'une créature ne répondant pas nécessairement à nos ordres semble logique pour un animal sauvage, dans la pratique, ça ne fonctionne pas forcément, les déclenchements des scripts étant particulièrement capricieux. Résultat, devant les tâtonnements de Trico, vous tentez plein d'autres choses et perdez de longues minutes à sauter sur les murs ou à appeler la bête dans tous les coins de la pièce, avant de vous rendre compte que vous aviez fait la bonne action dès le début. Il s'agit d'un problème habituellement récurrent dans les mauvais jeux d'aventure. Un titre du genre ne doit jamais induire le joueur en erreur. Malheureusement, tous les errements comportementaux de Trico ne peuvent pas être excusés par la narration et The Last Guardian peut rapidement devenir une expérience rageante. Quand on sait que tout le concept du jeu tourne autour de l'intelligence artificielle de Trico et de la résolution des pseudo-énigmes, vous comprenez que de tels problèmes peuvent parfois s'apparenter à des désastres. En plus de cela, il faut ajouter des combats un peu pénibles contre des gardes, ceci notamment à cause de la lenteur générale des animations. Et pourtant, on a envie d'aimer The Last Guardian, notamment pour la beauté enivrante de ses environnements. Cette impression de vide poétique qui nous entoure sans cesse nous donne envie de nous perdre dans son univers, d'autant qu'il nous offre de magnifiques panoramas. La solitude et la mélancolie enveloppent les lieux, bien aidés par une bande originale des plus efficaces. Dommage que le titre souffre de son long développement avec un aspect technique dépassé. L'aliasing est persistant et les effets de flou et de surexposition cache-misère sont tellement présents qu'on ne perçoit parfois même plus la différence entre les textures et les zones accessibles. Nous avons même noté quelques violentes chutes de framerate au point d'avoir un bon freeze de plusieurs secondes lors d'une scène particulièrement intense. Autre point, la caméra devient parfois complètement folle dans les petits périmètres et on a souvent du mal à savoir où on est, surtout dans les poils de Trico. Toutefois, c'est rarement dommageable vu le rythme plutôt paisible du jeu en général. Mais malgré tous ces écueils, The Last Guardian reste une expérience unique qui offre ses moments épiques, réussissant à provoquer de nombreuses émotions chez le joueur. On a souvent peur pour Trico et chaque fois qu'on doit le laisser un instant dans une zone où il ne peut pas passer, l'inquiétude monte. Malgré ses errements, le comportement de la bête, proche d'un animal de compagnie, est suffisamment développé pour donner au joueur une véritable impression de communication. Une réussite indéniable en matière d'immersion, avec un développement réaliste rarement vu dans le jeu vidéo. Le titre de Fumito Ueda profite aussi de scènes mémorables, tant par leur côté épique que par leur valeur sentimentale. Au final, The Last Guardian est le prototype du titre qu'on aimerait pouvoir adorer et qu'on est content d'avoir fini afin d'en découvrir ses secrets, mais qui nous oblige à passer par d'horribles heures de frustration à en jeter sa manette contre un mur. Aurez-vous la patience? C'est à vous d'en juger.